Alors t'as vu en ce moment, les activistes pour le climat, ils ont un nouveau truc. C'est de balancer de la soupe et de la purée sur des toiles de maître. Ah bah je l'ai peut-être trouvé mon combat. Je pourrais leur éplucher les légumes, c'est dans mon domaine de compétence. En vrai c'est un peu extrême, mais s'ils font pas, personne les écoute. Là l'ambiance au gouvernement c'est d'enchaîner les 49-3. Donc non, on n'est pas dans une ambiance de dialogue. Puis s'ils étaient préoccupés par l'écologie, dans la Seine, il y aurait plus de trucs que de Vélib. D'ailleurs on se demande ce qu'ils font en ce moment, parce que là on a vraiment besoin d'un état. Attends, t'as vu les prix quand tu fais les courses? Là on ne peut plus. Là il faut nous aider pour de vrai maintenant. Pour remplir le frigo, faut gagner au loto. Ça augmente toutes les semaines. C'est l'inverse du Bitcoin. Putain! Et quand ils nous disent qu'il y a 10% d'inflation, les filets de poulet ils sont à 10€. Donc ils ont pas augmenté de 10% mais de 100%. Et le riz a augmenté aussi, mais c'est quoi ce délire? Chérie, pour ton anniversaire, on va aux Maldives. Mieux, j'ai fait un poulet tandoori. Là je sais pas où on va. Quand t'as un représentant des chasseurs qui nous dit oui, laissez-nous pratiquer notre loisir. Hello, écoute ça, y a encore des cyclistes qui se sont fait tirer dessus le week-end dernier. Là on a juste peur de se balader en forêt. Et là le gars te dit oui, mais vous savez, au ski aussi y a des accidents. Ta gueule! Mais Jean-Jacqueline, bien sûr que oui. Chaque activité présente des risques. Mais dans la tienne, c'est un mec bourré avec un fusil. Alors excuse-nous d'être un tout petit peu méfiant.